Orage de septembre, neige en décembre. Ah, celui-là, je pense que je vais le retenir. Il est très facile comme proverbe. Oui, et en plus, il y a eu de l'orage en septembre. Ouais. Est-ce qu'il y aura de la neige à Noël? Bah, je pense que ça peut être sympa. On verra bien. Bonjour. Bonjour. Vous êtes un jardinier convaincu, un contemplatif de la nature, où vous êtes tombé par hasard sur notre émission. Bienvenue à vous. Et aujourd'hui, on parle d'innovation. Vous avez vu ces tondeuses? C'est à l'ancienne, mais vous allez voir, on a fait des progrès depuis le temps. Une émission pleine de bonnes idées, c'est tout de suite. Encore plus d'idées, toujours plus de plantes. Aujourd'hui, le végétal inspire l'innovation. Un boulanger amoureux de son métier chamboule notre regard sur le pain en faisant entrer des plantes inattendues dans son fournil. Le jardin inspire les inventeurs. Nous découvrirons quelles sont les nouvelles idées qui pourraient venir transformer notre manière de jardiner. Paysage, vous avez dit paysage. Afin de mieux les lire et de les contempler autrement, nous nous rendrons sur les monts de Vaucluse pour inaugurer notre nouvelle série. Mais tout de suite, retrouvons Stéphane qui, sans attendre, pas de plage, ni de gambadage, est déjà arrivé chez Denis, Corinne et Louise, qui tous trois rêvent de s'approprier le jardin, mais craignent de se tromper. Bonjour Denis. Bonjour Stéphane. Ça va bien? Ça va bien. C'est de l'autre côté, hein? Oui, c'est par là. Ok, merci. Bonjour. Bonjour Stéphane. Tu vas bien? Très bien. Ça va, Louise? Bisous. Bisous. Alors, racontez-moi. Ben voilà, on est arrivé ici depuis un an. On est tombé amoureux de ce petit jardin-là qui est assez sympathique. Mm-hmm. En revanche, il y avait besoin d'un rafraîchissement, quoi. Donc, on a commencé à planter un palmier. Enlever la touffe d'agapanthe qu'on a redispatchée à la place d'une grosse touffe de marguerite blanche qui était un peu vieillotte. On a gardé ses poiriers, on a planté un petit peu un jardin de senteur avec des aromatiques et une rangée de buis. On a cette haie de framboisier qu'on voudrait remplacer pour donner quelque chose de plus floral, un jardin de bord de mer avec quelque chose d'un peu plus exotique, quoi. Oui, parce qu'en fait, là, on est tout près de la mer et on a envie de le savoir. Voilà, tout à fait. Et puis là, il y a une vieille Véronique qui a déjà été rabattue, mais bizarrement. Oui, j'ai rabattu un peu, mais j'ai pas osé d'aller au pied pour laisser un peu un tiercel, donc du coup, il reste plus que ça. Ensuite, continuons. Bah, par ici, on a un mur en vis-à-vis, là, qui n'est pas très esthétique. Et du coup, on voudrait l'oublier derrière un peu de végétation, quoi. D'accord. Faut peut-être, il faut l'animer, oublier un peu la peinture. Et puis là, de toute façon, il y a un bandeau qui vient d'être posé, j'ai l'impression. Voilà, tout à fait, les travaux qui ont été refaits, donc ça nous a baissé un petit peu la haie d'hydrangea. Donc bon, ça va reprendre le dessus, mais très vite, oui. Là, on voulait faire quelque chose au pied pour la remarquer. Bon, bah, en fait, les choses sont assez claires. J'ai l'impression que vous savez ce que vous voulez. On avait des idées. Après, c'est l'envie de ne pas faire les erreurs. Et on a commencé simplement à faire des petites touches, là, pour le moment. D'accord. Il n'y a plus qu'à mettre ça à plat et passer à l'action. C'est parfait. À plat, pas si plat. Passer à l'action et donner du relief, c'est d'abord faire un dessin. Donc ici, à la place des framboises, on va dessiner une plate-bande et dans laquelle on va, comme vous nous l'avez demandé, installer des plantes à la fois d'acclimatation, à la fois bord de mer. Donc ici, j'ai un tout petit tétrapanax, mais tétrapanax deviendra grand. Là, il y a une petite cordyline. Je pense qu'à côté, ce serait bien d'amener un Phormium tenax. Ce qui est joli dans ce Phormium, c'est qu'il a des teintes légèrement rosées. Là, dans le coin, on va complètement rabattre la Véronique parce qu'il faut qu'elle reparte de manière beaucoup plus modeste et beaucoup plus dense. Et juste à côté, je vais installer une plante qui sent le chewing-gum rose. Ensuite, entre les agapanthes, vous avez déjà planté des choses, des astromères qu'on devine blanc-rosé, peut-être en rajouter quelques-uns. Et puis, à l'intervalle de ça, rajouter des plantes annuelles qui vont fleurir dans ces teintes-là. Donc, ce mur, moi, j'ai envie d'essayer quelque chose que j'ai jamais fait. Donc, l'idée, c'est de tendre des câbles. Ça, j'ai déjà fait. Et ces câbles vont être enfilés dans des bambous. Des bambous de couleurs différentes et de diamètres différents. De façon à rythmer cette surface, d'oublier un peu la différence de couleur entre la peinture et le béton brut, et de pouvoir faire grimper des plantes dessus. Des choses un peu inattendues, comme l'Actinidia colomicta, qui est très jolie à la saison, puis qui est un peu volubile. L'Actinidia, c'est un kiwi avec des feuilles roses, quand elle débourre. En bordure, on va rajouter quelques plantes vivaces pour fleurir tout ça. Ensuite, on va pouvoir installer notre plissage de manière à pouvoir délimiter comme vous en avez envie la bordure.
face au gazon. Je pense que tout ça va restructurer un peu l'endroit. C'est parfait. Ça vous convient ? Ah, c'est parfait, c'est superbe. Alors, allons-y. Il y aura quelques plantes arrachées, puis divisées, d'autres qui seront taillées, et une foule de nouvelles venues. Une ribambelle de cannes de bambou dressées comme des tuyaux d'orgue pour oublier le voisinage, des plaissages pour mieux marquer les plates-bandes, des lanternes bien sûr, et le mot de la fin. Waouh ! Ah là, c'est quelque chose, voilà. Magnifique. T'es vraiment très réussi, quoi. Merci beaucoup, Stéphane. Voilà, un beau bouquet pour un beau vase, Stéphane. Il te plaît, mon vase, hein ? Ah, je l'adore. C'est justement lui qui m'a inspiré cette chronique, puisque ce vase, j'avais envie de refaire. Alors forcément, j'arrive pas trop à faire cet arrondi en bois. Alors l'idée, ça va être d'avoir quatre pieds, tu vois, beaucoup plus carré. C'est un autre style de vase, mais c'est un vase sur pilotis, un peu comme le tien. Oui, c'est comme l'idée d'un socle qui met en valeur le vase, qui lui-même met en valeur le bouquet. Exact. Ça fait de la mise en valeur. C'est de la mise en valeur. Tu as effectivement ce vase normalement chez toi et là, tu vas le mettre sur son estrade comme ceci. Et là, ce sera magnifique. Alors là, c'est un prototype, donc je ne vais pas le laisser longtemps, mon vase. L'idée est là, tu as quatre pieds. D'accord. Et à l'intérieur, tu as une croix en bois avec forcément un long morceau et deux petits morceaux qui sont tenus par des chevilles. D'accord. Donc c'est assez simple, c'est de l'assemblage. Il faut être minutieux, il faut avoir les bonnes dimensions. Et pour peaufiner le truc, on mettra aussi un peu de peinture, comme une chaussette, je trouve ça rigolo, de faire que sur un petit morceau du bois, en fait. D'accord. En fait, il y a une proportion, c'est quasiment deux tiers, un tiers. Là, par exemple, tu as un vase de 30 cm. Donc j'ai pris de hauteur, j'ai pris des tasseaux de 35 et j'ai décidé de mettre ma hauteur, mais ça n'engage que moi. De manière très arbitraire. Voilà, 14 à en partir du haut. D'accord. 14 cm. Bon, on y va, on le fait. On y va, on sort la peinture, on sort la scie et on se lance. Allez. Et voilà, ça c'est génial, le petit truc à avoir chez toi. Le petit poinçon. C'est un poinçon. Donc ça te permet de reporter les distances systématiquement de la même manière. Comme c'est ça, tu ne te trompes pas quand tu vas faire ton trou. Ça va forcément être en face. Ok. Bon, l'autre truc à voir, l'outil à voir, c'est le forêt avec la bague de profondeur. Comme ça, ça tape et tu ne peux pas aller plus profond. Tu vois l'idée ? C'est bah oui. Donc, complètement. Voilà. Comme ça, après, tu peux mettre tes chevilles tranquilles. Bon, on y va, on continue. On continue. Voilà. Et est-ce que ça passe ? Bah, oui ! Heureusement que ça passe ! Bah, ça passe parce qu'en fait, il faut prendre le diamètre du vase et tu le reportes à l'intérieur. Tu prends 0,5 en plus pour ne pas forcer quand tu vas mettre ton vase. Et comme ça, hop, tu as la bonne dimension. C'est beau, non ? Et ceux qui étaient malins pour assembler le X, c'était de percer la plus longue des transversales intégralement pour y passer ce tourillon de façon à ce que l'X soit plus costaud. Au lieu d'avoir deux chevilles. Voilà, j'espère que ça va vous donner envie de vous lancer car il faut oser. Et c'est d'ailleurs la philosophie de Bruno Delaunay. En 20 ans de métier en tant que boulanger, il a pris conscience qu'il avait la santé des gens entre les mains. Alors il a décidé de mettre des plantes dans son pain. C'est le portrait du jardinier du pain. Là, il y a un mélange de tournesol, courge, lin brun et lin doré. C'est de la farine de bio, du blé qui est broyé à la meule de pierre. Ça respecte toute la valeur nutritive du grain de blé. Je travaille au levain, c'est un four à bois. Des fois, j'en fais au romarin, à la sarriette, au basilic, au fenouil,
à l'ortie. J'ai commencé en tant que boulanger à 14 ans. Et j'ai été pâtissier pendant plus de 20 ans. Le pain d'automne, c'est noix, noisettes et feuilles de cassis. Et le cassis a un côté un petit peu acidulé. Et ça, c'est là, ça fait 14 ans que je suis installé. Et bah, c'est un des premiers pains avec des plantes que j'ai créées qui, bah, ouais, qui marche toujours, quoi. Comme toute recette, quand on est créatif, hein, et bah, ça nous tombe dessus, ou soit ça vient de l'intérieur. Enfin, il doit y avoir une alchimie qui doit se combiner et ça fait une... Poum, ça explose. Hein. Comme j'ai toujours été intéressé par les plantes, même avant de créer mon entreprise, là, j'avais toujours ça en moi et bah, j'ai conjugué les passions, quoi. C'est vraiment intéressant, la plante, et pour moi, il n'y a pas de limite. Ce qui me fait vivre, c'est la boulangerie. Je ne veux pas me considérer comme un boulanger. Je fais plus du pain bio qu'au feu de bois, point. Au départ, pour dire ce que je faisais, je marquais le jardinier des pains et des biscuits aux plantes. C'est une recette, ça fait longtemps que je n'ai pas fait. C'est une recette de biscuits, biscuits ortie et noisettes grillées. Et ce qui me passionne, c'est la pâtisserie, c'est mes recherches avec les plantes, rechercher des nouvelles recettes, des nouvelles associations, ne serait-ce que même des produits de base qu'on a, toujours avec des plantes. La cuisine des plantes est hyper simple. C'est nous qui nous en faisons un monde pas possible. C'est le monde du sauvage. Je crois qu'en allant vers le sauvage, ce qui nous fait peur, ma réflexion, qu'en allant vers le sauvage, c'est qu'on a peur du sauvage qui est toujours en nous. Et si on y va, de cœur joyeux, bah, on va s'apercevoir que ce qui existe à l'intérieur, c'est aussi joyeux que les plantes. Là, je ramasse de l'ail des ours. C'est une variété d'ail sauvage qui est uniquement en sous-bois. Milieu un petit peu humide, mi-ombre. Et c'est en fin de matinée, après la rosée, qu'on peut faire la cueillette. Il y a l'expression, on dit dans le cochon, tout est bon. Au niveau de l'ail des ours, bah, tout peut se consommer, autant au niveau de la fleur. Là, c'est la fleur qui est à peine éclose. Et c'est le moment précis où je trouve qu'elle est le plus chargée en arômes. Donc là, la fleur se mange, bien sûr, la tige, la feuille et le bulbe. Il y a une vigilance à avoir au niveau de l'ail des ours, c'est que de loin, elle a une feuille qui ressemble au muguet. Et tous les ans, en France, bah, il y a quelques personnes bah, qui se font un petit peu piéger. Ils font leur cueillette et bah, du muguet, il faut avoir le centre antipoison pas très loin de chez soi, quoi. La feuille de l'ail des ours est beaucoup plus souple que la feuille du muguet. Le muguet, on peut dire que la feuille est un peu plus épaisse, un petit peu plus grasse. On peut arriver à se nourrir avec la nature, ça c'est sûr, et gratuitement. C'est en étant sur le terrain quasiment au quotidien qu'on arrive à découvrir les plantes sauvages, mais on connaît tous le pissenlit, on connaît la violette, on connaît le coucou. Il y a plein de plantes qu'on connaît et on s'en sert pas, c'est dommage. Bah, tel que l'ortie, vraiment l'ortie est la plante repère pour moi. L'ortie, quand elle est séchée, elle est plus piquante. Quand on la cuisine, elle est plus piquante. Ou alors la mixer, elle est plus du tout piquante. Hein. C'est vraiment, pour moi, c'est la plus mal aimée des plantes sauvages. Mais je crois que c'est la plante sauvage qu'on devrait commencer à cuisiner, à travailler avec. C'est le côté aromatique de la plante, c'est la couleur de la plante quand elle est dans le biscuit. Et puis, bah, c'est côté original. Hein. Là, c'est la monnaie du pape. C'est une fleur qui est parfumée et avec une saveur poivrée. Il y a toujours le côté visuel au niveau gastronomique qui est important. C'est du pain à l'ortie que j'ai fabriqué ce matin. Donc ça va me servir en base pour le toast que je vais faire avec le pesto d'ail des ours, le fromage de brebis de l'Ariège, d'Estive, un peu de chocolat noir à 85%, un petit peu de miel, tout petit peu de fleur de sel. On passe ça dans le four. On a chacun d'entre nous un côté créatif. Bah, faut oser, quoi, c'est tout. Hein. Faire des mélanges, des associations. Des fois, bon, on se rate. Et des fois, c'est « Oh, ça existe ça ?» On fait « Wow !» C'est magique.
Alors Stéphane, on plante un Salix Golden Sunshine. C'est beau, hein? C'est hyper beau. J'adore les saules. Ouais. Et j'adore encore plus les saules de plus petite taille avec lesquelles on va pouvoir extraire de l'osier pour faire des paniers. Ouais, ça, j'adore aussi. Donc, tu vois, il y a celui-là qui est ici. Hein, c'est un saule de Bruxelles avec lequel on fait des paniers. Et celui-ci s'appelle Salix Golden Sunshine. C'est une obtention toute nouvelle. Oui, madame. C'est une, les Japonais qui ont inventé cette plante, qui l'ont obtenue à force de sélection en 2007. Elle est encore rare dans les jardins, dans la mesure où elle arrive tout doucement. Mais je pense qu'elle ne va pas être rare très longtemps, tellement elle est lumineuse. Ouais, et tellement... c'est un point lumineux dans le jardin, quoi. Exactement. Elle a un autre nom, Salix Sacalinensis. Ça lui va beaucoup moins bien. Ben oui, mais en même temps, c'est intéressant parce que ça me parle. Tu vois, l'île de Sakhalin, c'est l'île qui est entre la Russie et le Japon. Il y fait très, très froid. Ah. Et donc, ça veut dire que cette plante va être rustique. Elle va éventuellement supporter moins 17 degrés et peut-être plus encore. Ce qui fait que cette luminosité comme ça, dans un fond de jardin, va en plus être l'apanage d'une plante sans souci. Ah, dis donc. Et pour le sol ? Eh ben, c'est pas difficile. C'est un genre de truc qui pourrait pousser le long d'une rivière. Donc, il faut un sol frais. À part ça, tu prends ton sol. Il lui faut un petit peu de fertilité. Donc, on va rajouter du compost. Mm-hmm. Une toute petite poignée de fumure. Et une exposition au soleil mi-ombre. Elle aime bien le soleil, figure-toi. Il résiste aussi bien à la chaleur qu'au froid. Mais c'est trop pratique, ça. C'est trop, trop bien. Alors, oh, trop, trop bien. Trop, trop bien. Un peu d'eau ? Oh, s'il te plaît, beaucoup d'eau. Tu sais bien, je t'ai dit, le long de la rivière. C'est vrai, sol humide. Tout l'arrosoir. Par-dessus tout ça, nous allons mettre un paillis de manière à le maintenir au frais. À conserver la fraîcheur du sol. Et puis, petite phase d'entretien à la fin de l'hiver, ce qui serait bien, c'est de le rabattre à 10 ou 15 cm du sol, de façon à ce qu'il fasse chaque année des rameaux tout neufs. Les anciens rameaux serviront à faire des paniers ou à décorer le jardin. Ainsi, ce Salix Golden Sunshine va pouvoir rester frais et lumineux dans son coin du jardin, en oscillant comme ça au vent pendant tout l'été. Est-ce que tu peux être poétique ? Notre émission spéciale Innovation ne serait pas complète sans parler du concours L'Épine. Passage en revue des bonnes idées des bidouilleurs, surtout en matière de jardin. Les inventions réactivent notre vie et le monde végétal n'est pas en reste. Au quotidien, elles peuvent simplifier la tâche des jardiniers, des agriculteurs, des fleuristes, voire même d'embellir leur cadre de vie. Regardez la rue où je suis avec mon restaurant. Un jour, ils nous ont mis des poteaux partout et ça fait un peu cimetière militaire, c'est moche quoi. Alors je me suis dit, comme on végétalise souvent notre devanture, je me suis dit c'est bête de ne pas utiliser les poteaux qui sont devant. Il y a bien quelque chose à réfléchir pour mettre dessus. Et ben, j'ai réfléchi, je me suis démené, j'ai essayé plein de systèmes et en fin de compte, j'ai trouvé un système qui fonctionne. C'est ma première invention. Et en fait, j'étais jusqu'au bout du principe, j'ai galéré un peu au départ et j'ai vu que ça fonctionnait, donc j'ai rien lâché et puis voilà le résultat, quoi. On a fait plein de couleurs, plein de gammes différentes. En fait, on est sur une bague, alors c'est tout bête, on l'appuie comme ça, paf, elle vient c'est comme elle est élastique, elle vient se fixer et enserrer le potelet de ville sans l'abîmer en fait. Et après, j'amène mon manchon avec ma panière dessus pour mettre mes fleurs et je l'enquille là-dessus, hop, et ça va tout seul. Tout bête. Donc après, on peut mettre les compositions qu'on veut. Donc là, on a choisi celle-là parce que ça va un petit peu mieux avec ce qu'on a fait pour la devanture du restaurant. Et là, ça y est, tout est mis en place. Du coup, j'utilise du mobilier urbain existant pour le rendre plus agréable à l'œil et plus sympathique pour tous. Le fait qu'on est restaurateur, j'ai trouvé le système aussi de mettre des plantes aromatiques, du romarin, du thym citron, du thym normal. Et alors ce qui est bien, c'est que les enfants, ils arrivent, ils touchent, ils sentent, ils sont tout contents de découvrir les odeurs. Et même les gens, je leur dis, allez-y, hein, vous pouvez en prendre pour mettre dans vos salades. C'est le but aussi, que les gens puissent cultiver les plantes aromatiques en bas de chez eux et de pouvoir descendre pour faire les compositions de leurs salades. Ça peut être un truc assez marrant, je trouve, dans une rue. je suis créatif, en fait. Et j'ai présenté ce système de fixation sur les potelettes de voirie au concours L'Épine l'année dernière. J'ai eu la médaille d'or et la médaille de la ville de Paris.
Chaque année, 652 inventeurs s'affrontent au fameux concours Lépine afin d'obtenir la récompense la plus prestigieuse, le prix du président de la République. Le concours Lépine est prépondérant, disons, en France. Il a 4 salons en France et à l'étranger, et prépondérant dans le monde. Parce que le concours Lépine est une association créée par Louis Lépine, promulguée la loi de 1901 qui le gère, et prévaut, disons, l'intérêt de l'inventeur. Le concours Lépine n'est pas un standisque qui vend des espaces, mais qui prévaut la mise en valeur des personnes. C'est bien votre système, là. Regardez, ça c'est l'ancien sacloir. Maintenant, il y a le nouveau sacloir. Il est pointu d'un côté et de l'autre. Il est incliné comme ça et comme ça. Je peux aller même au-dessous d'une dalle. L'année dernière, c'était mon premier concours Lépine. Ça a été un succès et du coup, de revenir là aujourd'hui, c'est une émotion quand même parce que ici, il y a de la création. C'est quand même le hall qui est le plus fréquenté de la Foire de Paris. C'est vrai, moi, j'adore ce qui sort de la tête des gens. Alors, ça peut m'inspirer peut-être, oui, je sais pas. On va voir. On va continuer son petit bout de chemin. Le concours Lépine International accueille cette année 133 inventions venues par exemple de Chine, de Taïwan ou de Pologne. Tous seront évalués. Oui, bien vous évaluer. Allez, je vais vous présenter ça. Donc c'est un piège à frelons. C'est un piège à frelons qui est adaptable à tout nuisible par simple changement d'appât. Vous voyez, c'est vraiment sélectif en fonction de l'appât que vous y mettez. Vous voyez ? Ici, vous avez de l'eau. Il rentre, il vient se loger ici. Donc il se noie dans l'eau. Vous videz, vous recommencez. L'appât, vous ne le changez jamais. Maintenant, ça va être le seul piège agréé par le ministère de l'écologie. J'ai toujours pensé à inventer des produits ou des petites choses. Donc j'ai commencé tôt avec des petites choses que je n'ai pas commercialisées. Ce produit, je l'ai fait avec mon grand-père, donc il y a aussi une histoire de famille. On l'a fait parce qu'il avait des problèmes sur ses poiriers, en fait, parce qu'il avait des poiriers. Donc voilà, aujourd'hui, ce problème est résolu. On peut passer à un autre problème. Bonjour jeune homme. Bonjour. Alors, ça y est, t'es arrivé sur Paris? Oui, ça y est, je suis arrivé. On s'était vu à Strasbourg. Exactement, on s'était vu à Strasbourg. On est des collègues. Ouais, des collègues inventeurs. J'ai créé une bâche, une membrane comestible par les animaux, qui va remplacer la bâche et les pneus. Donc, c'est une membrane qui est complètement étanche à l'eau et à l'air. Et alimentaire pour le. Et alimentaire parce qu'elle est à base de calcium. Et il faut savoir que ma vache, tous les jours, a besoin de 80 à 100 grammes de calcium. Bah, j'ai inventé ça chez moi. J'étais 30 ans agriculteur. Pendant 20 ans, j'ai eu ça dans la tête. Et puis après, quand j'ai quitté le métier d'agriculteur, je me suis polarisé à vouloir absolument aller au fond de mon idée. Et j'ai tellement connu ça, la pénibilité du travail, que je me suis dit qu'il faut faire absolument quelque chose pour l'agriculteur et pour l'environnement. Donc c'est pour ça que j'ai réussi, après multiples opérations, à créer un tel procédé comme ça. C'est un rêve qui a abouti. On va dire que c'est un vrai conte de fées. Et le rêve s'est poursuivi jusqu'au délibéré, puisque l'invention a reçu le Grand Prix du Sénat. Visons la Lune, au pire, nous finirons dans les étoiles. Peur quand même avec la four. Bah, c'est pas un outil avec lequel je me sens particulièrement à l'aise. Mais tu vois, c'est quand même malin, hein, parce que là, avec ça, tu peux l'accrocher, avec ça, tu peux l'enfoncer au sol. Pour le coup, tu l'enfourches. Wow. Tu sors de ton coffin la pierre et tu l'affûtes. Voilà. Et tout ça, ça commence au 3e siècle avant Jésus-Christ, c'est les Gaulois. Donc, oui, madame. C'est la faule, ancêtre de la tondeuse. Oui, c'est en fait, d'abord, c'est un outil agricole. Avec ça, tu vas aller faucher les blés. Avec ça, tu vas aller faucher de l'herbe pour donner à manger à tes lapins ou à tes moutons qui sont dans l'enclos. Et ça va perdurer comme ça pendant des siècles. Jusqu'au XVIIe siècle, tout d'un coup, cet outil qui est complètement agricole va rentrer dans les jardins. Dans les jardins des châteaux. Parce qu'à ce moment-là, on veut des jardins à la française, des choses au cordeau. On est au siècle où les maths sont importants, donc du coup, on veut des choses carrées. Donc, on fait des jardins beaucoup plus soignés, avec des outils plus petits aussi.
avec des outils comme celui-là, parce qu'on ne fauche pas tous les jours, hein, mais il faut que les pelouses, parce que ça s'appelle déjà des pelouses, soient fauchées régulièrement, une fois, deux fois par an, voire plus souvent. Là, tu as des forces, ce sont des ciseaux avec lesquels on peut couper les bordures et couper l'herbe. Il y a la petite faucille aussi qui peut te permettre de faucher sur des plus petites surfaces. Mais ce qui nous intéresse là, ce sont les tondeuses. Mais il faut attendre 1830, hein. On fait un vrai bond dans l'histoire là. Ben oui, alors en 1830, moi j'adore l'histoire. Il y a un type qui a inventé la clé à molette, c'est un Anglais. Il s'appelle Edwin Bird Building. Et donc, il a juste l'idée qu'en fait, lorsque tu fais du velours, tu as une trame, tu as une chaîne, et la trame, elle fait ça. Ouais. Et pour que le velours soit bien ras, il faut des ciseaux. Et il y a un système hélicoïdal, comme ça, qui coupe la laine, de façon à ce que ce soit complètement ras. Il se dit, mais si je mets ça sur une pelouse, je peux avoir une pelouse qui soit toute pareille, toute lisse, toute belle. Donc là apparaît la première tondeuse mécanique. Sur ce principe-là, des couteaux hélicoïdaux qui vont frotter sur une lame qui peut se régler, serrer plus ou moins. Et cet outil va trouver sa pertinence. La pertinence dans une époque qui invente des sports qui se pratiquent sur le gazon, le football, le rugby, le polo et le golf. Ah bah oui. C'est la société du loisir qui force les inventeurs à créer de nouveaux outils. Et il faut quand même attendre 60 ans pour avoir une tondeuse enfin à moteur. Oui, parce que jusqu'à présent, c'est les chevaux qui tirent nos petits rouleaux là. Et voilà les moteurs à vapeur d'abord, et puis ensuite des moteurs à essence. Et au XXe siècle, il y a plein d'innovations. La tondeuse évolue vraiment, très rapidement même. Bah, tout ça, ça fine. Tu vois, par exemple, il y a ces engrenages qui vont arriver, qui vont démultiplier la vitesse de rotation de la lame hélicoïdale. Donc ça va être encore plus efficace. Ensuite, l'invention du pneu, c'est la fin du 19e, et ça va arriver sur les tondeuses, ça va être beaucoup plus souple, tu vois, au début du 20e siècle. Et ça puis, sera et puis, moins saccadé, en fait. Ça sera beaucoup moins, ça sera plus confortable, tu vois, ça c'est brutal tout de même. Et puis, d'hélicoïdale, la coupe va devenir rotative sur des tondeuses qui seront plus simples. Et celle-ci, on a un modèle extraordinaire, on dirait. Et les designs, années 60. On dirait un jouet. Oui, c'est vrai. Elle est merveilleuse. Et c'est dans les années 30 qu'un inventeur français va inventer la tondeuse autoportée. Celle sur laquelle tu grimpes et qui te trimballe dans le jardin et tu tombes grâce à cela. Et hyper importante quand on a des grandes surfaces comme toi, parce qu'on va beaucoup plus vite, non? Tu préfères ça ou tu préfères les autres tondeuses? Chaque tondeuse a son rôle dans le jardin. Dans les années 60 arrivent les tondeuses électriques, beaucoup plus légères parce que le moteur n'y est pas. Le moteur est beaucoup plus petit, beaucoup plus léger. Donc, tu vas pouvoir te balader en poussant une tondeuse beaucoup plus facile, simplement en faisant attention de ne pas couper le fil. Et c'est seulement en 1983, incroyable, 1983, c'était hier. J'avais un an. Elle était toute petite. Qu'est arrivée la tondeuse auto-tractée, celle qui va à la fois couper l'herbe et à la fois se avancer sans que tu sois obligé de pousser comme un acharné. Et là, la tonde devient une espèce de promenade de plaisance. On voit vraiment qu'il y a de grandes évolutions. Alors, la petite dernière, en quelque sorte, enfin, date de 2005, c'est le robot, celle que tu as dans ton jardin et que tu laisses aller comme ça. Est-ce que tu aimes cette tondeuse-là, qui est là? Bah écoute, c'est une tondeuse dont on a douté lorsqu'elle est arrivée sur le marché, qui prend de plus en plus de place dans les jardins, les prix ont baissé. Elle a l'avantage de tondre toute seule, de calculer son parcours. Et toi, pendant ce temps-là, tu peux prendre un drink. Il n'y a plus question de balade. Voilà, il n'y a plus de balade, on prend du poids et en même temps, on est content. Oui, bah Stéphane, tu me rangeras un peu tous tes outils. Ce n'est pas mes outils, bien entendu, sont pour les plus jolis, les plus intéressants, les outils de la collection Pèlerin, l'une des plus belles collections d'outils de jardin. Au monde. On vous propose à présent un nouveau rendez-vous dans Silence ça pousse. Stéphane part en vadrouille, mais cette fois-ci pour lire avec vous les paysages. Premier épisode, les monts de Vaucluse face au plateau d'Albion. Les choses ont bien changé, mais une chose perdure, la lavande. Le voyage peut commencer. Comme des cartes postales, les paysages s'offrent à nous. Mais savons-nous les regarder, entendre ce qu'ils nous disent du présent et nous racontent de leur passé? Posons-nous sur les monts de Vaucluse, dans les Préalpes, face au plateau d'Albion. Dans les effluves de lavande fine, l'œil va pouvoir s'exercer. Ouais, regarde là, Stéphane, je pense qu'on va être bien pour raconter l'histoire de ce paysage. On y est là, hein? Ouais, je pense que... On a tout. Il y a tout. Le cadre est posé, la lecture peut commencer. Donc face à nous, on a
des champs de lavande, il y a quelques arbres. On voit effectivement deux types de lavande. Là, ici, de la lavande sauvage. Ensuite, on a des champs de lavande. Et après, c'est vrai qu'on a un espace ouvert qui est équilibré entre des espaces forestiers et des espaces cultivés, principalement avec de la lavande, qu'on appelle la lavande fine de Haute-Provence. Quelle altitude ? Alors ici, on est à plus de 1000 mètres. Donc c'est pour ça qu'on est dans un climat méditerranéen et à la fois on commence à être sur du montagnard. C'est très étonnant parce que là, je vois des hêtres. Et ça, c'est pas effectivement des arbres que tu vas trouver en bas dans la vallée. Ça dit qu'il fait un peu plus frais, que c'est un peu plus humide et qu'ils peuvent faire leur vie. Et d'ailleurs, c'est là où s'exprime la lavande, hein, au-dessus de 800 mètres. C'est vraiment son territoire en Provence. Contrairement aux apparences, les monts de Vaucluse reçoivent autant de précipitations que l'Île-de-France. Mais elles sont si violentes qu'elles lavent les sols avant de disparaître dans les profondeurs de la terre. Cette aridité a causé beaucoup de pauvreté, mais aussi de la richesse. Burt, on a l'impression d'être dans un paysage complètement séculaire. Et cependant, c'est un paysage qui a plusieurs fois changé de physionomie. Oui, c'est vrai que là, on voit un paysage très diversifié avec pas mal de forêts. Mais si on revient une centaine d'années en arrière, c'est un paysage qui était extrêmement désertique. Et si on revient encore avant ? Parce qu'avant d'être désertique, c'était pas désertique ? Ah oui, effectivement, c'était couvert de forêts. Et c'est l'homme qui a exploité ces forêts. Donc les gens subsistant essentiellement sur la ressource naturelle ont très vite eu un impact assez fort. On a quand même des sols qui sont assez pauvres ici. Dès qu'on commence à les exploiter fortement avec l'élevage, avec l'exploitation du bois, on assiste à une désertification. Et même les feuilles. C'est pour dire jusqu'à quel point la ressource était surexploitée. C'est qu'il y avait même des arrêtés pour dire à partir de quelle date les gens pourraient aller ramasser les feuilles dans les forêts. Donc si on en est à ramasser la feuille dans la forêt, il ne reste plus que les pierres, quoi. Il y a une plante qui s'en sort mieux que les autres. C'est cette plante qui est là parce que justement, elle va avoir les outils, elle, pour prendre le dessus. Donc c'est la lavande. Alors la lavande, si on prend un brin, il y a des petites glandes sécrétrices qui sont sur les calices ici. Et dans ces glandes sécrétrices, il y a de l'huile essentielle. Et l'huile essentielle, la plante, au départ, elle ne fabrique pas ça pour l'homme. Elle fabrique ça pour se défendre, notamment contre les herbivores. Alors c'est amusant parce que la lavande, certains trouvent justement qu'il y en a trop. Et puis d'autres vont trouver qu'ils peuvent en faire quelque chose. Oui, alors effectivement, au départ, c'est un problème et ça provoque la colère des éleveurs parce que cette lavande pousse partout. Par contre, à cette époque-là, on voit des herboristes qui... Dès le 16e siècle. Hein, voilà, dès le 16e siècle. Et qui commencent à cueillir cette lavande tout l'été. Ils la font sécher. Et puis, petit à petit, on va parallèlement assister au développement des parfums sur grasse. Et donc, les parfumeurs vont avoir besoin de plus en plus d'huile essentielle, de lavande en particulier. Donc, ça commence par de la cueillette et puis après, ça s'améliore. Exactement. Alors, à un moment donné, le milieu naturel ne suffit plus à produire suffisamment. Et l'homme va essayer de faire produire cette lavande un peu plus. Donc, finalement, c'est ce qui va préfigurer les lignes qu'on a maintenant en compte. Cette lavande envahissante, parce que les moutons refusent de la brouter, a pris de plus en plus de place sur les monts, au point d'être parfaitement domestiquée, enfin, pas tout à fait. Ce qui est fabuleux, c'est que dans ces cailloux-là, on trouve du thym, on trouve en fait plein de plantes aromatiques très très fortes, et essentiellement cette lavande, qui n'est pas celle qu'on pourrait croiser ailleurs, qu'on appelle le lavandin. Donc effectivement, c'est la lavande angustifolia, c'est ce qu'on appelle la lavande vraie, la lavande fine. Pour expliquer la différence notamment entre du lavandin et de la lavande fine, c'est que ici on est sur une lavande de population. Une population, oui. C'est très facile à comprendre, au même titre qu'une population humaine, on a une grande diversité. Il y a des grands, il y a des petits, des bruns, des blonds. On va retrouver sur cette lavande cette même diversité, des lavandes qui vont être plus bleues, plus blanches, plus ou moins chargées, avec des odeurs différentes. Et c'est finalement l'alchimie de ces différentes lavandes, pieds de lavande, qui vont faire la richesse de l'huile essentielle de lavande fine. Et d'ailleurs, il y a un label, une appellation d'origine protégée, qui décrit avec un cahier des charges très strict justement ce que doit être la caractéristique d'une lavande fine de population. Et là, on a un peu entendu toutes ces histoires de ce paysage complètement couvert, puis qui s'est complètement désertifié,
et qui aujourd'hui a retrouvé une certaine variété entre les aplats de lavande, la réapparition des arbres par endroits de manière ponctuelle. L'évolution de ce paysage, aujourd'hui, on pourrait dire que c'est un paysage en équilibre. Puisque s'il se ferme trop, alors on a des avantages au niveau de la forêt, mais par contre on va perdre de la diversité, puisque le milieu méditerranéen, une de ses richesses, c'est qu'il puise sa biodiversité dans l'ouverture des milieux. On n'est pas dans la forêt tropicale où toute sa biodiversité peut être soit au sol, soit dans la canopée. La biodiversité, c'est fou. Elle est dans ses prairies, dans ses milieux ouverts, là où tape le soleil. Mais si on surexploite ce milieu, on l'appauvrit, puisqu'il est soumis au vent, il est soumis à une rudesse quand même climatique. Donc en fait, ce paysage-là, il doit toujours chercher son équilibre. Finalement, le rôle de l'homme ici, il est majeur pour à la fois avoir une ressource économique, pour valoriser ce territoire, mais aussi pour le conserver et pour, au niveau environnemental, conserver la biodiversité. Et son évolution raconte très bien cette histoire. Oui aux arbres et oui aux champs de lavande. Je suis d'accord à 100%. En équilibre, les paysages sont mouvants, fragiles, tantôt riches, tantôt désolés. Leur beauté n'est pas à prendre au premier degré. Entrer dans leur histoire permet de mieux les appréhender, les comprendre et surtout les respecter. Montre-moi tes ongles. C'est un indice pour la plante de la semaine. C'est parfait. C'est parfaitement assorti. Cette plante s'appelle Clematis viticella Black Prince. Elle est de la famille des Ranunculacées. Son nom vernaculaire, c'est Clematis Black Prince, prince noir. Elle est originaire d'Italie. Elle a un feuillage caduc, elle fleurit de juillet à septembre, elle va mesurer 2 mètres de hauteur, elle va aimer les sols argilo-siliceux, légers, profonds, fertiles. Elle appréciera une exposition au soleil ou mi-ombre et résistante à moins 15 degrés, ce qui n'est pas mal. Ce que j'aime chez elle, c'est que pour une viticella, elle a des fleurs relativement grandes et puis cette espèce de noir comme ça, ouais, de pourpre très foncé, c'est d'un chic alors qu'elle a un port complètement naturel. Les escargots aiment bien croquer ses feuilles, mais son entretien est relativement facile dans la mesure où tu la rabats à 20 cm du sol à la fin de l'hiver. Et on c'est n'en tout. Parle plus. Et on retourne à présent chez Denis et Corinne, qui ont des idées claires sur ce qu'ils veulent faire dans leur jardin, mais ils ont peur de faire des bêtises. Du coup, ils ont appelé Stéphane. Stéphane est arrivé sans s'attarder devant l'ancienne maison de pêcheurs où l'attendent Denis, Corinne et Louise. Depuis un an, ils ont pris la température du jardin, savent ce qu'ils veulent, mais ont peur de faire des bêtises. Le dessin va les rassurer. Ça vous convient ? Ah, c'est superbe. Parfait, c'est superbe. Alors, allons-y. Alors, bon, ça a l'air d'aller, ça. Donc, l'idée, c'est d'enlever la lavande, d'enlever les agapanthes, de manière à faire place nette ici. Ensuite, de tirer un cordeau, pas parallèlement au mur, mais au contraire, de partir de manière étroite à l'extrémité, là où il y aura la verticale, celle qui poussera ensuite, et des choses qui seront plus denses, ici, en gagnant un tout petit peu. Et une fois que tout ça sera déterminé, enlever les framboises qui sont dans ce champ-là. Stéphane tire les cordeaux avec Corinne pour définir les nouvelles marques de la plate-bande. Denis déterre la touffe d'agapanthe, puis la divise, elles iront plus loin. Derrière, les framboisiers sont déplantés. Au centre de la pelouse, le trou a été bouché, nivelé. Denis sème du gazon, le dame soigneusement et recouvre les graines d'un peu de terreau pour les protéger pendant la levée. Sur la plate-bande débarrassée des framboisiers, du fertilisant est répandu avant d'être incorporé à la terre. Denis, tu vois les ébais, enfin les Véroniques arbustives, enfin les ébais. Celle-ci, elle devait être grande comme ça et puis ouais. Elle ressemblait plus à rien. Tout et à puis fait. Complètement avachie, complètement ouverte. Faut pas avoir peur de tailler dans la mesure où elle retrouve, ça sort de partout là. Donc plus tu tailles bas et plus ça part du pied et plus ça retrouve une belle densité. Donc là, on va pas se priver de la réduire avec l'assurance qu'elle reparte. D'accord. Plus fort, plus court, puisque le monsieur l'a dit.
Pour évoquer le bord de mer, beaucoup d'exotisme et de teintes. Un formium bronze, un dodonea pourpre, un tétrapanax vert pour ses futures feuilles géantes, un mélianthus major assez bizarre, beaucoup de plantes parfois peu communes, adaptées au climat doux. Donc, qu'est-ce que ça sent ? Ça sent le chewing-gum. Les chewing-gums roses, là, tu sais, qui font des grosses bulles, c'est ça ? Oui. C'est un peu la fraise synthétique, c'est vrai. Et ça, c'est un syringa. Et syringa, c'est toujours des odeurs envoûtantes, particulières. Et celle-ci est vraiment très, très particulière. Et puis celui-là, il m'intéresse. Parce que généralement, les Philadelphus, ça fait 3 mètres de hauteur, tu vois, c'est un peu beaucoup. Mais là, il ne va surtout pas devenir plus grand que ça, tu vois, 1,50 m maximum. Et de toute façon, il faut rajeunir les bois de temps en temps. Mais ça, c'est comme les syringas. Tu travailles du pied. Quand une branche est vieille, tu la coupes et il y en a d'autres qui repoussent. Et ce qui est joli, c'est qu'il fasse comme ça une touffe un peu ronde. Et pendant un mois, il va fleurir. Il y a cette odeur un peu étonnante qui va se diffuser à la porte de la maison. Et rien que ça, c'est un enchantement. Là, il est plein soleil, ça va être formidable. Donc je crois qu'il va se plaire ici, que ce sera très, très bien. Et pourquoi pas des lys du Pérou dans la bordure longeant l'allée centrale. Ils sont accompagnés d'autres plantes à fleurs, des dahlias, des cosmos. Très bien. C'est parti, le perforateur vrombit. Des trous, des chevilles et des pitons sont vissés dans le mur. Mais cette fois, les câbles sont enfilés dans des cannes de bambou. Alors, on va voir ce que ça donne. L'ensemble est tendu contre le mur, puis les cannes sont coupées le plus irrégulièrement possible avant de recevoir la compagnie des clématites et autres plantes grimpantes. Impeccable. Tu vois, cette plante, c'est un kiwi, mais c'est pas un kiwi. En gros, c'est un kiwi d'ornement. Et ça, c'est Actinidia colomicta. Il a une particularité, c'est que quand ses feuilles sont jeunes, elles se teintent de rose, une sorte de rose argenté comme ça qui est très beau et parfois même de marge blanche entre le rose et le vert. C'est une plante que je ne comprenais pas jusque l'année passée. Il en a un à la maison qui est grand comme ça, que j'avais planté dans un sol un peu lourd, bien exposé au soleil. Et 15 ans plus tard ou 14 ans plus tard, il était tout pareil. Et là, pour le coup, l'an passé, on a décidé de monter une rocaille supplémentaire et on a monté la rocaille carrément sur la Actinidia. C'est-à-dire qu'on a remonté de la terre jusque-là. Et cette année, il n'en peut plus, il part de partout dans tous les sens. Tu vois là, il y a 20 cm sous le niveau du sol, dans un sol drainé, de façon à ce qu'il fasse des racines qu'il aille chercher dans quelque chose de beaucoup plus léger que ce que je lui avais donné précédemment. Ici, le sol, il est tout léger. Là, on lui a donné un peu de profondeur. À mon avis, ça va démarrer. Au pied du mur, un lilas à petites feuilles sur tige est planté en compagnie de chères, de forbes et de zinnia. Dans un esprit plus cottage, souligné par une bordure constituée de fer à béton, enfoncée d'un tiers dans le sol, avant de permettre le tressage d'une bordure d'osier s'étirant sur toute la longueur de la plate-bande. Partout, au pied des plantes, la terre est recouverte d'un paillis de cosses de sarrasin. C'est le moment des lanternes. C'est le moment. Corinne, Louise, Denis, c'est fini. Oh. Waouh. Trois lanternes. Et c'est la magie. C'est rien joli. C'est très joli. C'est magnifique. Regarde, Louise. C'est très bien. Comment ça a changé ? On oublie bien le coin framboisier. Là, on oublie complètement l'endroit. On est vraiment dans bord de mer avec beaucoup de fleurs. C'est magique. On a des variétés qu'on ne connaissait pas. Oui, ça fait très quelque chose d'assez graphique. Ouais. C'est bien. La bordure s'est épaissie, là. Oui, aussi, oui. Donc on a gardé la ligne qu'on avait faite et rechargé un petit peu de couleur. Couleurs, c'est très, dans les très mêmes charmant. Tons qu'on avait, les tonalités très roses et blancs, c'est très bien. Mais là, ah, là c'est quelque chose. Voilà. Là on oublie le mur. On a quelque chose de vertical, donc ça nous casse un peu le rythme. C'est très très bien. En plus, les plantes vont grimper dessus. Le chèvrefeuille va se mêler avec le kiwi. Mm-hmm. Ça va faire des harmonies de couleurs. On avait un bandeau vert qui était magnifique, mais alors là on a un premier plan qui est très coloré. Quoi. Ça explose, c'est joli. Magnifique. T'es vraiment très réussi, quoi. Merci beaucoup, Stéphane. Bravo. Je souhaite de bien en profiter. On devrait.
Ça va aller, toi aussi, hein. Derrière la ravissante petite maison, le jardin est à présent riche de deux tonalités aussi contrastées que complémentaires. Les plantes des voyages lointains venues des cinq continents aiguisent la curiosité et donnent un aspect unique à l'endroit. De l'autre côté de l'allée, le mur mitoyen s'est effacé au profit d'une série de verticales dressées pour inviter les grimpantes à s'y hisser. Entre jardin de curé et jardin de cottage, cette partie est plus rassurante, plus cosy. L'ensemble, souhaitons-le, sera un havre de plaisir pour toute la famille. Beaucoup de monde qui souhaite Stéphane Marie dans leur jardin et c'est possible, il suffit de candidater. Mais oui, en vous inscrivant en pianotant France TV. Et c'est sur France TV également que vous pouvez revoir l'émission. On passe au livre à présent. Stéphane, je crois que tu as un énorme coup de cœur. J'ai un énorme coup de cœur pour ce catalogue. Il y a une exposition à La Roche-Guyon dont le titre est Hubert Robert et la fabrique des jardins. C'est autour de l'œuvre de cet artiste Hubert Robert qui fit les jardins au 18e. J'adore ses gravures, ses peintures, ses dessins dans lesquels les personnages semblent être des figurants pour donner une harmonie comme ça à ces paysages à la fois inventés, à la fois réels. Allez voir l'exposition, vous ne pourrez pas manquer d'acheter le livre, c'est évident. La petite dépense dans la boutique souvenir. Moi, à présent, je vous ai choisi un livre qui s'appelle « Notre aventure sans frigo ou presque ». C'est de Marie Cochard et c'est aux éditions Erol. Et ça pose la question, parce qu'on a tous un frigo chez soi. Ben oui. Est-ce qu'on pourrait conserver nos aliments chez soi sans frigo? Ce serait possible. Surtout, il faut apprendre à moins consommer, à moins acheter, à moins remplir son réfrigérateur. Donc elle vous donne des astuces pour conserver les aliments, aussi pour les récupérer, pour faire des petites recettes sympas qui changent de l'ordinaire. Et j'ai appris un truc hyper malin, c'est comment tu conserves les pêches. Déjà, tu ne les mets pas une sur l'autre, bon, ça on le sait, et surtout, c'est dans la soie que tu peux les emballer. Elles sont chiques. Dans la soie. Tout simplement. Certains font dans la soie et toi tu pêches dans la soie. Ah voilà, exactement. On passe sans transition à l'agenda et on va pouvoir te voir à Chantilly du 13 au 15 octobre, c'est dans l'Oise. Ce sont les journées des plantes d'automne de Chantilly. C'est les journées immanquables dans la mesure où c'est maintenant, c'est en automne qu'il faut planter. Il y aura là 200 exposants, il y aura là des ateliers, des rencontres, des conférences effectivement. Le thème cette saison, Technicolor pour un jardin flamboyant. Dans l'Orne, le 8 octobre, à la Haute-Chapelle, qu'est-ce qui se passe, Stéphane? C'est organisé par l'association horticole du Don Fronté. C'est la 20e édition de Plantes en fête. Et moi, je vous conseille à présent un film à ne pas manquer. Ça sort au cinéma le 27 septembre. Ça s'appelle L'intelligence des arbres. C'est tiré du livre La vie secrète des arbres. C'est beau et c'est le moyen que les arbres ont de communiquer entre eux. On regarde un extrait pour vous donner envie. La souche continue à vivre parce que ses racines sont connectées à celles des autres arbres. Les arbres aiment naturellement se cajoler et vivent en groupe. Ils aiment aussi la lenteur. Les arbres ne supportent pas cette solitude. Il faut prendre la peine d'écouter les sensations que la nature nous procure, parce qu'elles sont fiables et authentiques. Et la semaine prochaine, il sera toujours question de communication. Les bébés touchent la nature, la sentent. On verra à quel point c'est important. Et nous retournerons 3 ans plus tard chez Enzo, voir comment sa petite cour s'est exotisée. Alors, à la semaine prochaine.